Si tu es capable de diriger tes pas,
Et la maison là où tu étais, juste arrivé en ces lieux, ou bien dans ton travail là où tu t'es retrouvé, pour arriver ici à l'église, dans l'assemblée, dans notre réunion de culte, c'est la volonté du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui l'a voulu. C'est pourquoi je t'ai dit que tu es un homme heureux. Et le Seigneur te bénisse encore richement. Je dis que le Seigneur vous bénisse richement. Parce que vous n'avez pas regardé le climat. Vous n'avez pas regardé la pluie. Mais tu es venu sous la pluie. Le Seigneur a vu les sacrifices que tu as consentis. Et je t'assure que les sacrifices, je t'assure que cela te sera rémunéré. Le Seigneur va te les payer. Il va payer tous les efforts que tu es en train de consentir. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Nous allons faire la lecture de nos textes. Nous prenons psaume 89. Je prends le verset 30. Jusqu'au verset 37. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Et ses fils, si ses fils, ceux qui abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, ceux qui m'ont et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurerai une fois par ma sainteté. Je jurerai une fois par ma sainteté. M'attirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une durée éternelle. Une durée éternelle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Amen. Amen. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 3. Et nous allons sauter pour lire le verset 13. Nous commençons d'abord le verset 3. Béni soit Dieu,
Les pères de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui Christ, Dieu nous a élus. Zambe a ponidiso, nous a élus. Apona biso liboso, avant la fondation du monde. Liboso eke mokile zalisama. Pour que nous soyons saints. Kweke biso to zalaba sainte. Et irrépréhensible devant lui. Tozanga pe beba liboso na ye. Nous serions prédestinés dans son amour. À être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de sa, de la gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé Jésus-Christ. Le verset 13. Talatala en lui Christ. Nakatinaye Christ. Vous aussi. Inopé. Après avoir entendu la parole de la vérité. Si manakoyoka niloba oya solo. L'évangile de votre salut. Sangmalamu yalobi konabino. En lui vous avez cru. Nanzela nae bino bondimaki. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Et bino botamaki nandanga yamonimo monsantu. Qui avait été promis. Oyo elake la mata. Ce Saint-Esprit-là est un gage de notre héritage. Et monimo monsantu wana nani ndanga yaligula nabino. Pour notre héritage. Et pas la tina yaligula nabiso. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Et pour la lissipo yabao zambé à Sombaki. À Sombaki, à la louange de sa gloire. Nanzela, ya kembo ya lokumunaï. Vraiment que le Seigneur bénisse la lecture de ce texte. Que le Seigneur te donne un entendement spirituel. Ah. Parce qu'il est écrit, si notre évangile est voilé, ce qui sert à la maladie, est il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. On veut qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire briller sur la face de Christ. Et pour mais moi je crois que toi tu es appelé à ces choses. Le Seigneur va t'ouvrir de plus en plus l'intelligence. Et parce que je le répète toujours, que le salut est lié à ces choses. L'obiko est un ami à ma camboye. Si tu connais ces choses, ce qui est mis à camboye, tu as le salut en toi. Tu as la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur les faveurs saintes promises à David. On avançait déjà dans notre enseignement. On a vu que le frère Paul aussi en a parlé. On avait vu dans les Écritures, dans Actes chapitre 13, le frère Paul parlait aussi des faveurs ou les grâces de David. Donc le Seigneur lui avait fait les grâces et colossalakié. Mais le frère Paul dit, Dieu l'a accompli pour nous. Les grâces là qu'il avait faites à David, le Seigneur les a accomplies pour nous. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Et la Christ. Cela veut dire, quand Jésus est mort, il est ressuscité. Yes. Les faveurs de David que nous lisons dans Psaume 89 s'accomplit sur nous les croyants. S'accomplit pour nous dans notre vie, à nous les fils de Dieu.
Et je disais que le véritable David, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'expliquais aussi que ce qu'on appelle faveur ou grâce, c'est quelque chose qu'on a reçu sans dépendre des œuvres. Donc ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous les avons obtenus, cela. Mais c'est Dieu lui-même dans sa souveraineté. Et Dieu lui-même dans sa bonté. Il n'y a plus de nous faire cette grâce. Et c'est bien ici à celle de la vie sur la colère. De la même manière qu'il avait fait aussi à David. On était en train de voir. On avait parlé sur David qui mettait sa main sur la mer. Et sur le fleuve. Et devenir le plus élevé des rois de la terre. Et puis, on avait déjà expliqué cela. Maintenant, on était arrivé à une étape. Mais la parole de Dieu dans ces grâces-là, mais lui, il est en train de dire, si ce fils abandonne ma loi, il abandonne mes préceptes, et il dit, je punirai la transgression par la verge. Mais la copie, est tout, mais pas la maman. Et puis je punirai par des coups leurs iniquités. Et puis la copesse à moi tout le monde. Ma belle moi l'éternel Dieu, je ne rejetterai pas mon alliance. Je ne trahirai pas l'alliance que j'ai faite avec David en rejetant ses enfants. Non. Pourquoi cela? Parce que quand Dieu faisait ses grâces ou ses faveurs ici, et les enfants même de David eux-mêmes n'étaient pas encore nés. Ils sont nés et ils ont trouvé déjà, les grâces étaient déjà faites. Amen. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, quand Dieu fait grâce à l'homme, quand Dieu manifeste la bonté à l'homme, c'est avant que l'homme ait fait le bien ou le mal. Amen. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Les hommes, parfois ils nous font du bien parce que nous aussi nous leur faisons du bien. Mais avec Dieu, il n'en est pas ainsi. C'est lui d'abord qui commence à faire grâce à l'homme. Avant que l'homme ne soit manifesté comme ça. C'est pourquoi j'avais dit, dans la présence de Dieu, dans la prédestination des choses, Dieu nous avait déjà prédestinés à être des enfants bien-aimés. Les saints que nous sommes sur la terre, cela n'a pas commencé ici sur la terre. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait déjà élus. Le Seigneur nous avait déjà choisi pour être ses enfants. C'est pourquoi nous parlons sur les enfants de David. Parce qu'il y a David, il y a aussi sa postérité. Mais Dieu dit, je voulais vous faire remarquer une chose. Quand le Seigneur était en train de parler dans David dans ses grâces ici, à aucun lieu, il a parlé si David vient à pécher. Alors si David vient à pécher, ou pêche, il n'avait pas dit ça. Parce que c'est David qui a parlé du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par rapport à ces paroles-là, parce que c'était lui l'homme qui était sans péché. Mais lorsqu'il est venu de parler des enfants de la postérité, il dit, s'ils abandonnent ma loi, il faut faire très attention avec les si de Dieu. Et c'est lui qui va
quelque chose qui se fera. Pourquoi vous allez voir David? Mais toute sa vie, il était fidèle à Dieu. Il y a qui c'est l'enseigne que tous les rois qui venaient en Israël, le Seigneur voulait toujours qu'il puisse marcher selon la voie de David. David était resté comme une référence royale en Israël. Si tu suis la bonne voie, ce qui est la lise et la malade, et que tu es roi, et puis que nous sommes on dira, il n'a suivi pleinement la voie de David, son père. Mais si tu suis une mauvaise voie, on dit qu'il a marché selon la voie de Jéroboam, ou selon la voie des rois d'Israël. Royal dans le pays d'Israël. Et comme Adam il a dit, Israël. C'était lui notre Seigneur Jésus-Christ. Il est né aux Amériques. Fils à lui David. Dieu savait qu'il pouvait aussi s'écarter de la loi. Et qu'il pouvait aussi devenir désobéissant à un moment. Mais il fait la promesse. Il les frappera. Il fait la promesse. Il va les corriger. Et qu'il y a aussi pour la parole. Mais il ne retirera pas sa bonté à lui de David. Attention, ici il dit que je ne lui retirerai pas ma bonté. De lui un seul. Et pas il y a un David. Ma bonté. C'est dans quel sens? Et l'alliance était faite avec David. Maintenant, ses fils aussi sont entrés dans cette alliance-là. Et maintenant, ses fils viennent à pécher. Dieu les rejette entièrement. Et que Dieu les rejette entièrement. Nous ne serons jamais rejetés à toujours devant le Seigneur. Ils sont au combat dans ma liberté, ils posent en colonne. Amen. Mais ils disent ceci. Si ce fils abandonne ma loi, ce qui va l'aider à tirer mon dégoût dans la vie. Ce jour-là, j'étais en train d'expliquer qui est fils de David. Et mon colonne va l'aider pour lui pour la David. Parce que David est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dit David, il est bon à dire Jésus-Christ. Amen. J'avais dit qu'être fils de David, c'est avoir le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas au Christ Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les grands problèmes dans les églises. Les grands problèmes de nos églises, ils sont un peu de gens qui ont le Saint-Esprit, mais courageusement, ils se disent, ils sont des chrétiens, mais sans Saint-Esprit. Comment on reçoit le Saint-Esprit? On vient de lire l'écriture des Éphésiens. Ici, vous aussi, après avoir cru en lui, vous avez écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous avez cru et vous avez reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là, on dit c'est le sceau de notre héritage. Alors, et
déjà montré. Comment on reçoit le Saint-Esprit? En écoutant la parole de la vérité. Personne ne peut se dire qu'il a le Saint-Esprit sans avoir écouté la parole de la vérité. Là où on ne prêche pas la vérité, ils n'ont pas le Saint-Esprit. En commençant par les prédicateurs, jusqu'au nouveau converti. Dans cette assemblée-là, personne n'a le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de la vérité. L'évangile du salut. Pour être scellé du Saint-Esprit. C'est comme les enfants d'Israël. Avant de sortir de l'Égypte, ils doivent d'abord manger l'agneau sans défaut. Et c'est l'animal pâté à Zani, il donne pas n'importe quel agneau. Sans défaut. Pâté à Zani, il donne. Manger l'agneau sans défaut. Et tous, et Moïse, les anciens et le peuple. Et ils vont traverser la mer rouge qui était une figure de baptême et d'or. Et après, l'agneau va se placer au-dessus du peuple. Et c'est cette nuée-là qui était comme le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont commencé d'abord par manger l'agneau qui est sans défaut. Écouter au préalable la parole de la vérité. Amen. 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 C'est ça le problème aujourd'hui. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, mais aussi il faut retenir. Ce n'est pas tout le monde que Dieu baptise du Saint-Esprit. Le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux-là qu'il reconnaît comme fils. Et puis, quand la personne est Saint, et pas la parole, qu'il reconnaît parce que avant que nous venions sur la terre, nous étions dans le ciel. Vous croyez comme ça? Et nous étions au ciel. Mais on est venu ici sur la terre par le chemin d'un homme appelé Adam. C'est en lui que toute l'humanité était enfouie. Et Adam, si Adam par la loi, il est tombé dans le péché. Maintenant, il fallait que l'héritage, l'héritage qu'il avait perdu, soit remis au sein. Soit remis aux enfants de Dieu. Mais dans Adam, il y avait les enfants de Dieu. Et il y avait aussi le fils de la perdition. Mais ceux qui recevront le Saint-Esprit par la grâce de Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde. Nous pouvons tous croire à la parole. Mais ce n'est pas tout le monde qui recevra le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qu'il reconnaît comme fils. C'est pourquoi Jésus dira quelque part, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il y a près de lui. J'avais donné une écriture de Galates. Galates chapitre 4. Écoutez ce qu'on dit. Galates chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je lis le verset 3. Natangi talatala ya misa. Même le verset 4. Attends talatala mini. Je lis au nom de Jésus-Christ. Attends la commande à Jésus-Christ. Mais, kasi, lorsque les temps ont été accomplis, tango batango ekokisamaki,
Dieu a envoyé son fils. Né d'une femme. Né sous la loi. Pour qu'il fasse quoi? Afin qu'il racheta. Pour qu'il assemble. Ce qui était sous la loi. Afin que nous réussissions l'adoption. Et pas que nous sortons soit l'issico. Amen. Et parce que vous êtes fils. Et pas que vous allez bannir. Dieu a envoyé dans nos cœurs. L'esprit de son fils. Cet esprit-là crie. Et Abba Père. Vous avez compris? On dit, puisque vous êtes fils, Dieu, il a envoyé dans mon cœur l'esprit de son fils. Et cet esprit-là crie en nous. Et puis, Dieu est notre Père. Mais on dit quoi dans Ephésiens? Cet esprit-là, c'est le sceau de notre héritage. Oui, parce que l'héritage est promis au fils. Il y a aux amis, l'héritage est promis au fils. Au fils, au et pas une abane. Maintenant, quand tu es fils, parce que quoi aux amis, moi, et que tu crois à la parole de Dieu, et bien, il y a aux amis. Dieu te donne le Saint-Esprit. Ça m'a pissé mon livre, mon sang. Dieu te donne les cachets du Saint-Esprit. Ça m'a pissé une dernière mon livre, mon sang. Ce cachet-là ne te quittera jamais. Quand on te donne ça, ce qui va pisser la mort, c'est pour les jours de l'enlèvement. Et là, pour la tine, la mocoline, toi. C'est pour ton héritage. Et ça, il boule ou apaisio. On dit c'est l'héritage. Il y a moins l'indanga. Donc une garantie. Hein? Donc je t'ai promis une chose. Et dans la qualité, là, comment bon? Hein? Dans la qui? Maintenant, je dis, je reviendrai te les donner. Abina koye pour la peso yango. Maintenant, qu'est-ce que tu me donnes en termes de garanties? Mais les le Saint-Esprit. Moi, il m'a saint. Amen. C'est ce Saint-Esprit-là qui crie. Mais mon saint dans les tu es le fils de Dieu. Yosali, moi, Dieu est ton père. C'est pourquoi il est écrit dans Romains, l'Esprit du Seigneur, mon témoignage à notre esprit, à nous des hommes, fils de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Et tes enfants. Si tu n'as jamais entendu cette voix-là en toi, et si tu as jamais entendu cette voix-là, j'ai dit cette voix-là. Dit mon mot en toi. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Devant le péché, cet esprit-là vient toujours. Tu es enfant de Dieu. Devant le mal, la corruption. Cet esprit-là vient. Pour te dire, toi, tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire ça. Toi ta vie c'est la sainteté. Toi ta vie c'est la vie de Dieu. Toi ta vie ce n'est pas la vie du monde. Toi tu es sanctifié. Parce que cet esprit là témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est notre gage. Dans Ephésiens chapitre 4, les versets 30, Zéla, Yazom, Yazom, Jésus-Christ. Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lesquels vous avez été scellés, pour les jours de votre rédemption. Et pas la mokolo
Amen. Amen. On est pour le jour de votre rédemption. Et quand tu crois à la parole, à l'évangile de la grâce, le Seigneur vient il te sert du Saint-Esprit. On dit c'est pour le jour de ta rédemption. Parce que nous attendons encore la rédemption. Amen. Amen. Nous avons aujourd'hui la rédemption. La rédemption que nous avons, c'est la rédemption de l'âme. Amen. Amen. Lorsque nous avons cru à la parole de Dieu, nous sommes sauvés par la foi. Notre âme est sauvée. Notre âme s'est séparée de la vie du mal. Et s'est attachée à Dieu. Et c'est attaché à la parole de Dieu. C'est ça le salut de l'âme. Mais nous attendons encore une autre rédemption. Ça, ce sera la rédemption de notre corps ici. Maintenant, en guise de cela, on t'a donné les sons du Saint-Esprit. Ton corps tel que ça est là. Il est vrai que tu as Dieu dans ton cœur. Les grands dieux, le Saint-Esprit, est dans ton cœur. Mais regarde ton corps. Tu tombes malade. Tu connais le problème. Le corps ici te fait souffrir. Même Satan, s'il veut te toucher, il va toucher ton corps. Mais il arrivera un temps où tu vas revêtir l'incorruptibilité. Ce sera le jour de l'enlèvement. C'est pour cela que le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a dit la pression au lit, mon saint. Hein? On lit encore Philippiens. J'aimerais que vous soyez bien positionné dans ces choses. Philippiens chapitre 3. Écoutez ce que le frère Paul est en train de dire. Il dit ceci. Alors, le verset 20. Mais notre cité à nous, et dans les cieux, et la couleur dans ma colo, nous avons une cité faite. C'est là-bas dans les cieux. Et la couleur dans ma colo. D'où nous attendons aussi. Comme sauveur, le cola mobile ici, le Seigneur Jésus-Christ. Donc il est là-bas dans cette cité-là. Il est à Zami Namboka Wana. Quand il viendra dans les rendez-vous que nous attendons, on dit qu'il viendra comme sauveur. Donc cela veut dire que c'est notre salut. Et il dit que quel salut? On dit ceci. Il viendra comme sauveur. En les rendant semblables au corps de sa gloire. Et puis, en cocalisant les autres kembo, pas de sa gloire. Y a kembo naïe. Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. N'a pas causé un peu sa manière à faire de sa vie. Vous voyez, le Seigneur Jésus viendra. Collègue sur la poya, il descendra. Kokita, qu'est-ce qu'il fera? Il va transformer nos corps. Que ce soit le mort en Christ. Et le vivant. Qui parviendra à la perfection. Qui parviendra à la le Seigneur va transformer nos corps. Et ça deviendra comme le corps semblable de sa gloire. A cause de cet événement-là, et pour le dire à la Moloulou, il a donné le Saint-Esprit. A
apesi molimo mo santo. C'est pourquoi n'attristez pas les Saint-Esprit. Il y a quoi dans le lit? Oui, que ça soit l'été, ma matin, mon nom, mon sacre. On a célébré du Saint-Esprit pour les jours de la rédemption. J'aimerais vous dire une chose. Dans ce domaine-là, na katina makaboa. Permettez-moi le terme. Bonne mission à l'eau. Dieu ne fait pas de confusion. Zambé à vous, ma gâté. Il connaît qui est fils, qui ne l'est pas. À celui qui ne l'est pas, il viendra, il partira, parce qu'il n'est pas fils. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, il demeure toujours. Oh non, parce que je dis cela parce que les gens disent. Il avait le Saint-Esprit. Et puis il a perdu le Saint-Esprit. Donc Dieu ne retire pas l'Esprit. Dieu ne retire pas l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Quand il fait un don à l'homme, ce qui a péché motolikabo, il ne s'en répond pas. Et bien, à bon la caté. J'ai entendu quelqu'un qui disait, on dit ne tenez pas l'esprit. Donc on peut avoir le Saint-Esprit. Et puis comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, on l'éteint. Et le bon après la zone Thessaloniciens, on aussi pas payé. Tu as mal compris le frère Paul. Yo, ce sont ma peine de Paul. Il ne parlait pas du Saint-Esprit sauf du salut. Non. Il parlait des actions de l'Esprit. Les prophéties, les miracles, il ne leur dit ne soyez pas une église qui étouffe les dons spirituels. Non, ne soyez pas une église qui étouffe les dons spirituels. Parce que depuis ce temps-là, il y avait des gens aussi qui avaient cet esprit-là. C'était dans le cadre là. C'est pas dit que mais ce sont les actions de l'esprit qu'on peut étouffer. Et c'est ce que le frère Paul avait refusé. Vous voyez Saoul. Vous voyez Saoul et David, Saoul, l'esprit aussi était parti. Ces choses-là étaient prophétiques. Mais ça parlait des temps. Dans Saoul, le Seigneur a retiré l'esprit. Comme du temps de la loi. Et Dieu ne demeurera pas là-bas toujours. Il va chercher un sacerdoce qui est plus excellent. Une alliance qui est plus excellente, éternelle. Et cette alliance-là représentait David. Et c'est pourquoi Dieu ne lui retira jamais son esprit.
Et nous, nous ne sommes pas dans Saoul. Nous sommes les fils de David. C'est là-bas que le Seigneur a dit. Si ses fils n'observent pas ma loi, ce qui mène à Eva, ils ne respectent pas mes commandements, moi je vais les punir. Mais je ne retirerai pas ma bonté sur eux. Je vais te dire, frère, si tu es dans le mal, réponds-toi. Amen. Si tu es dans le péché, réponds-toi. Ça ne sert à rien de cacher le péché. Le péché n'est pas ta marchandise. Le péché, ce n'est pas la vie que toi tu dois vivre. Il faut être encouragé de dénoncer le péché. Que Satan lui-même voit que vraiment cet enfant n'appartient pas de mon camp. Satan il n'est pas de mon camp cet enfant. C'est l'impudicité. J'ai commis l'impudicité. Et tu as voulu prendre la décision de laisser. Et pour toi, c'est fini, frère. Si tu es dans le mal, réponds-toi. Parce que Dieu ne laissera aucun péché impuni. Même si tu es fils du royaume, si tu ne te réponds pas, le Seigneur va te frapper. C'est pourquoi il dit, quand même je ne retirerai pas sur eux ma bonté, je ne retirerai pas sur David ma bonté. Cela veut dire que je ne rejetterai pas ses enfants, et je le punirai. Parce que moi Dieu, je n'aime pas les péchés. Mais il dit, je veux me servir de la verge. La verge de Dieu. Ce n'est pas comme toi, tu peux le croire. Ce n'est pas comme tu peux ou tu pourrais le penser. La verge de Dieu, c'est l'ennemi. La verge de Dieu, les gens qui te haïssent. Quand toi, tu ne respectes pas la parole, tu es fils de Dieu. Vous allez moi l'ensemble. Et que Dieu t'appelle à la repentance, tu n'écoutes pas. Et pensez il arrivera un moment. Lui-même, il va te céder entre les mains de l'ennemi. Il va te céder entre les mains de sorciers. Mais à l'entretien, il est en train de veiller sur toi. Parce que même quand il te livre à tes ennemis, il est ami une limite. Ici si tu ne dépasses pas. Parce que ce n'est qu'une punition. Parce que Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Même si ils ne vont pas retirer la grâce sur toi. C'est pourquoi j'ai dit un enfant de Dieu ne se perd jamais. Même si tu vois ton frère dans le mal, tu vois ton frère, Dieu le punit à cause de mal quelqu'un. Il faut toujours être conscient que Dieu est capable de les ramener sur la terre. Dieu peut te parler, Dieu, de cette chair. Abandonne l'impudicité, tu n'écoutes pas. Abandonne cette vie, tu n'écoutes pas. Il va permettre qu'on vienne te renverser. Là, Dieu t'a gagné. Parce que pour Dieu, ce n'est même pas ta chair qui compte. Ton esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ah.
Ah. Le ministère, tu n'écoutes pas. Tu vas mourir du sida. C'est un temps qui mourra du sida. C'est un temps que tu t'es répandu. Et bien, c'est là que mon père a bongo limoté. Tu as le sida. Vous avez le sida. Tu t'es répandu. Bongo limoté, moi. Mais tu as le sida. Quand tu as le sida. Tu ne fais que maigrir. Nous au compte d'Akaka. Tu pries à Dieu, Seigneur, guéris-moi du sida. Vous savez, un homme a dit que c'est mal à mon sida. Il dit, ma grâce te suffit. Ami, mon nom est suffit pour le haut. J'ai déjà pardonné, tu n'écoutes pas. Tu n'es pas un bon exemple pour les frères. Tu n'es pas un bon exemple pour les frères. Va te reposer. Parce que je ne veux pas te perdre. Voilà, dans la poste de la bombe, il s'est ôté. Tu dois hériter le royaume de ce Seigneur. C'est le gros de la bombe conscience. Mais c'est comme si ta chair est en train de t'endetter. Mais là, on voit une autre raison pour ce mot de ma casse. Va te reposer, frère. Quel est l'homme qui m'a dit comme on va? Je ne veux pas que tu meurs païen. N'a rien dit à Yokoufa, mon pagan. Je veux que ce jour-là, dans ton deuil, il y ait des mokolans à la matinée. Pendant tes funérailles, que les saints chantent. Vraiment que le frère est allé dans les lieux de paix. Parce que tu n'écoutes pas. Dieu aussi nous frappe comme un père. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons parce que nous sommes des élus. J'avais entendu un frère qui disait on peut tout faire. J'irai au ciel. Non, frère. D'abord, un enfant de Dieu. Ne médite pas le mal. Ne médite pas ça, les pensées du mal dans son cœur. Tu vas aller pêcher. Peut-être que nous sommes là. Tu es venu au culte. Oui, mais tu sais qu'à 20h, j'ai un rendez-vous à l'hôtel. Oui, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les pensées d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vit dans la sainteté. On est élu avant la fondation du monde. Afin que nous soyons comment? Pour que tous la saint et irrépréhensible. Ce sont des indicateurs sur la terre d'un élu. La sainteté. Vraiment, elle écoute la parole de la vérité. C'est ça que David est en train de faire. C'est sa prière.
119. Le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu as prescrit tes ordonnances. Afin qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées. Afin que je garde tes statuts. Point. À la vue de tous tes commandements. Il savait que Dieu a donné les ordonnances pour que les hommes les observent avec soin. Ces ordonnances ne vont pas changer. Mais ce sont les hommes qui doivent demander la miséricorde de Dieu. Celui qui n'a pas pudique, il a pu dans son cœur. C'est ce que David est en train de dire. Toi tu es escroc. Toi qui là que l'escroquerie est mauvaise. Toi qui es escroc, maintenant tu as honte là où tu te trouves. Tu as honte. Mais celui qui n'est pas escroc, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce que tu as fait grâce que je ne me retrouve pas dans l'escroquerie. Parce que les ordonnances sont immuables, ça ne change pas. Et toi aussi, si tu te retrouves dans ces cas, ce qui est en train de faire, sache que Dieu ne te laissera pas. Et puis il y a des gens qui ont dit que tu éprouveras toujours la honte, la honte. L'ennemi de Dieu ne vit pas dans les péchés. Il se dérange si un mal dérange sa vie. Nous allons atterrir avec cette écriture des Hébreux. Je crois que vous êtes le fils de Dieu. Et seulement là où vous êtes dans les mal, répondez-vous au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12. Écoute ce qu'on dit. On dit ceci. Le verset 4. Dans la tala et aminé. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. À la mort, hein? Le sang jusqu'au sang, c'est à la mort. Oui. Côté la matière qui est ainsi que tu as. En luttant contre le péché. Les péchés. Mabé. C'est sous. Donc tu dois lutter contre les péchés jusqu'à la mort. C'est que nous tu es vainqueur. Ne crois pas que si ça te domine aujourd'hui, ça te dominera tous les jours de ta vie. Non. L'apôtre dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la mort. Je rajoute. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et puis, là, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire. Il dit, mon fils, ne me
méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car Zami, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu ne frappe pas n'importe qui. Parfois tu vois les autres dans le mal, rien ne leur arrive. Mais toi, si tu bouges un peu, tu nous mets dans le bouquet. Là tu reconnais vraiment que c'est parce que j'avais fait ça. Là, il pas ça qui m'a dit. Sois heureux. Parce que tu es fils. Ça vient aux moine. Il n'est pas tout le monde. Je continue. Supporter le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et là, on a mal à l'ensemble à la vie. Que tu fasses le bien au salam alamo ou le mal au salam abe, personne ne te t'engueule, personne ne te reproche, personne ne te frappe, ses parents là ne t'aimaient pas. Non, je dis ses parents. Nabi, si tel était le cas, il ne t'aimait pas. S'il t'aimait, il t'aurait corrigé. On dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, ce qui va s'aligner ma tête, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes donc des enfants illégitimes. Et puis nous, amen. Donc quand on tape tout le monde, quand tout le monde fait le mal, et mais toi on ne te tape pas. Quand tu fais le mal, tu n'es pas le fils de ses papas. Dans son cœur, il n'y a pas de l'amour pour toi. Il sait que tu deviens grand homme. Ou que tu deviens fasseur, un enfant de la rue. Il ne perdra rien. Mais les enfants qui corrigent, ce sont des enfants qui sont les siens. Il a souci d'eux. Un jour qu'ils deviennent des grands hommes, ils deviennent des gens bien élevés, on leur donne des éloges, on t'a bien éduqué. Tu es très intelligent. Tu es vraiment éduqué. Tu es une bonne fille. Vraiment. Une bonne femme. Regardez comme on l'a marié. On l'a marié vierge. C'est ce que les parents veulent quand ils font ça. Il veut que plus tard, on dit, si vous n'avez pas part à ces châtiments-là, il vous a des enfants illégitimes. Et non des fils. Des fils. Mais vous êtes des enfants illégitimes. C'est pourquoi il ne vous corrige pas. Si c'était ses fils à lui, il aurait à Kokaki les corriger. C'est ce que Dieu fait avec nous les enfants. Personne ne peut s'écarter du châtiment de Dieu. S'il te reconnaît pour son fils, ce qui a aimé le bon moi, il va te corriger. Il a repensé tout. Pour quel but? Il dit d'ailleurs, il dit d'un coup tout. D'ailleurs, puisque nos pères seront la chair, nous châtier. Puisque nous les avons respectés. Nous les avons respectés. Et puis son bain là-haut, on te tape vraiment à la maison. On te corrige. Mais en aucun jour tu n'as insulté ton père. En aucun jour il a dit du mal de lui. Il dit puisque ils nous ont châtiés, nous les avons respectés. Mais ça,
Nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits? Répète. Le verset 9 à la fin. À plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits. Pour avoir la vie. Pour la cause. Donc quand il parle, c'est pour que tu aies la vie. Et ça pose un bon mot. Parce que tu es dans le péché, toi tu es fils de Dieu. Mais là il diverge. Parce qu'il y a ma fille. Je vais te corriger. Parce que tu dois avoir la vie. Il t'envoie vraiment un homme qui a du sida. Et puis à titre de l'homme, il t'envoie vraiment une femme qui a du sida. Ça va te procurer la vie. Et le kuna. Et qu'on pèse au bon moment. Et qu'on pèse au bon moment. Tu vas te répandir. Yo, qu'on bon moment. Tu vas pleurer. Yo, qu'on est là. Mais il n'enlève pas. Quand c'est à l'homme à la tête. Et puis tu vas te reposer comme ça. Et puis on peut nous faire ma bongo. Il t'a gagné. Il y a l'homme. Il y a des choses qui nous arrivent. Et ça, ma cambo est comme la rabisse. Parce que Dieu, Zambi, Zambi, il veut nous conserver, nous les fils de Dieu. Il n'y a pas de la vie sur le biseau balanza. Il t'a. Il te parle, mais tu ne comprends pas. Il te parle, mais tu ne comprends pas. Il dit, je ne veux pas violer mon alliance. Mais je vais te chercher un moyen. Dieu, c'est un parent qui ne manque pas les méthodes de punir ses enfants. C'est son du. Parfois nos parents manquent des moyens. Moi, juste ma boîte, j'ai mis sur un autre. Ah, pas sous caca. Il dit, moi, nous, attends, mais tu fumes, voilà la résulte. Moi, nous, la six, c'est ma maillée, bah, le barbeau. Même si je le mets à genoux. Attends, tiens, ma boîte, ma boîte, le colo. Lui, il n'écoute plus. Il y a yo caca. Et si on met ça, maintenant, ma châtiment, yo, sur la piaque. Nous, tout le monde, il y a yo caca. Mais Dieu, dans ses âmes, dans sa gibessière, la carte, j'ai mis des nanaïs. Il a des punitions en quantité de l'Israël. C'est ce qu'il avait fait avec Israël. Vous voyez les punitions d'Israël. C'était graduel. Tous les châtiments n'étaient pas du même calibre. Israël n'écoute pas. Israël, il envoie la famille. Il sait peut-être avec la famille, ils peuvent se rétracter. Même si s'il n'écoute pas la famille, ceux qui balotent à la tête, il envoie des maladies. Il sait qu'avec la maladie, ils peuvent chercher Dieu. S'il n'écoute pas la maladie, ceux qui balotent à la tête, ils ferment le ciel. Il n'y a pas de pluie. C'est traduit, il les observe. Il avait la prise de finition. Non, je dis la prise de finition. Yasuka. Yasuka. Déportation. Il appelle Nebuchadnezzar de l'autre côté. Avec Nebuchadnezzar, on a besoin. Viens d'abord les envoyer. Et amène les quatre. Les punitions de Dieu sont graduelles. Ben. C'est pas toutes les punitions qui sont des mêmes calibres. Je t'avertis aussi. Tu connais le comment tu es de béni. Je te dis, il peut passer à la vitesse supérieure. Non, à la vitesse supérieure. La punition de notre calibre. La vitesse supérieure. Pour que tu écoutes. Parce qu'il t'avertit si tu n'as pas écouté. Quand continue. On dit non, Père, vous châtiez pour plein de jours. Le verset 10. Comme il est trouvé bon. Le col. Mais Dieu, nous châtie pour notre bien. Afin que nous participions à sa sainteté.
Ah. Le sentiment de Dieu.